Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce premier tableau intitulé Entreprendre une transition juste. Je suis euh, Guillaume Ménard, junior philo de l'Institut Open Diplomatie et euh, délégué euh, au Y7, et donc j'aurai le plaisir d'animer ce premier temps. Ce premier temps sera donc consacré à la transition euh, juste, et pour cela nous euh, nous concentrons sur trois OTD le premier euh, consacré à la pauvreté le second sur l'égalité entre les sexes et enfin le dernier concernant les inégalités réduites. Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir pour l'OTD 1 Pas de pauvreté la docteure Anastasia Kozarenko, professeure associée à Montpellier Business School. Montpellier Business School sera également l'école qui co-organisera la quatrième étape régionale le vendredi 21 octobre sur le thème Repenser pour prospérer. Madame. Je vous donne la parole. Merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis très contente d'être là pour présenter le premier objectif du développement durable qui est d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, qui demeure le défi majeur de l'humanité. L'ensemble des 17 objectifs du développement durable nous montre que pour y parvenir, dans cette lutte contre la pauvreté, on a besoin d'adopter des stratégies plus globales qui touchent à la santé, à l'éducation, à la croissance économique, mais également au changement climatique. Alors, quels sont les indicateurs du suivi de cet objectif Les Nations Unies ont fixé cinq cibles différentes et aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur deux de ces cibles qui sont étroitement liées. Donc, la première cible, il s'agit d'éliminer complètement l'extrême pauvreté dans le monde entier d'ici 2030. Et comment définit-on l'extrême pauvreté? Il s'agit aujourd'hui, euh, selon la Banque mondiale, de vivre à moins de 1,90 dollars par jour, donc à peu près 2 dollars par jour par personne. Où en est-on concernant cette cible? En 2018, il y avait environ 660 millions de personnes vivant en extrême pauvreté. Cela correspond à peu près à 9% de la population mondiale qui vivait à moins de 2 dollars par jour. Même si la croissance économique rapide observée dans certains pays comme la Chine ou l'Inde a permis à des millions de personnes de s'en sortir de l'extrême pauvreté, les progrès ont été très, euh, très inégalitaires. Les femmes restent les plus vulnérables que les hommes, restent plus vulnérables que les hommes, notamment parce qu'elles ont moins accès à de l'emploi rémunéré, à la propriété, à l'éducation, mais également aux services financiers. On note cependant que pendant 25 ans, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté n'a pas cessé de diminuer. Cependant, cette tendance a été brisée en 2020 avec l'arrivée de la crise Covid, mais également au conflit comme la guerre euh, en Ukraine et au changement climatique. La deuxième cible que j'aimerais évoquer ici, il s'agit de faire en sorte que d'ici à 2030, tous les hommes et toutes les femmes en particulier les personnes pauvres et vulnérables, et les mêmes droits aux ressources économiques et qu'ils aient accès aux services de base, notamment les services financiers, y compris la microfinance. Aujourd'hui, un quart de la population mondiale n'a pas accès à un compte en banque. En même temps, seulement 30 a accès à un crédit bancaire. Et cet accès aux services financiers ne se limite pas aux pays en développement. Même s'il est assez facile d'ouvrir un compte en banque dans les pays riches, l'accès au crédit reste difficile pour certains. Les données récentes de la Banque mondiale en ce qui concerne l'accès au crédit bancaire nous montrent que les inégalités demeurent réelles en ce qui concerne notamment les femmes et les segments de la population pauvre. Et cela est vrai aussi pour la zone euro et en Amérique du Nord. Pour conclure, la recherche suggère que les effets des crises actuelles seront certainement ressentis dans la plupart des pays jusqu'en 2030. Dans ces conditions, les cibles fixées pour éradiquer la pauvreté d'ici 2030 risquent d'être désormais hors des portiers, à moins que les pays mettent en place des stratégies pour une transformation rapide et fondamentale. Merci beaucoup, Madame Kozarenko, pour cet état des lieux très inspirant. Et maintenant, place la pratique d'une certaine manière avec la parole d'une actrice de la société civile, Madame Cécile Duflot, ancienne ministre et directrice générale d'Oxfam France, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je voudrais commencer mon intervention en reprenant votre formule finale, hors de portée à moins que. Et effectivement, toute la question autour de l'éradication de la pauvreté, et pas seulement de la très grande pauvreté, mais d'aller vers davantage d'égalité, ce qui est au cœur des objectifs de développement durable, nécessite une action politique volontariste. Ça n'est absolument pas une fatalité, c'est simplement le choix de d'agir ou de ne pas agir. Et notamment, et je voudrais ici rappeler euh, la situation en France, 11 millions de personnes pauvres en France, 9 millions sous le seuil de pauvreté monétaire, 1 million dont on pense qu'il et elle échappent aux statistiques, et ce sont des statistiques uniquement sur la France métropolitaine. Donc on voit bien que ce chemin, qui est un chemin indispensable à l'échelle internationale, est un chemin que nous devons poursuivre en France. Et euh, pour cela... La question de la redistribution est fondamentale. Évidemment que mon intervention, même si elle est à l'occasion de l'anniversaire des ODD, s'intègre dans un débat actuel qui est un débat assez sensible, mais qui est une vraie démonstration de l'efficacité des politiques publiques. Les inégalités primaires en France et aux États-Unis sont similaires sur les revenus primaires. En revanche, ces inégalités sont très significativement réduites. Par l'existence de politiques de redistribution. Et il ne faut pas oublier que ces politiques de redistribution ont plutôt été en recul malgré la situation qui s'est aggravée lors de la pandémie. Euh, il y a eu une réponse ponctuelle, mais cette réponse ponctuelle doit, doit, doit s'appuyer sur une réponse dans la durée. Et c'est pourquoi Oxfam, comme d'autres ONG, puisque nous avons travaillé sur un, un manifeste avec d'autres organisations comme ATD Gare Monde, s'appuie sur. Un manifeste qui propose 15 mesures qui permettent de contribuer à financer les services publics et à s'attaquer aux racines de la pauvreté, puisque la pauvreté n'est pas uniquement monétaire, elle est aussi dans l'accès aux services, dans l'accès aux capacités d'émancipation, dans l'accès à la capacité de construire son propre avenir. Ça vaut pour la France, ça vaut évidemment au niveau international. Vous avez parlé, Madame, de l'accès à un compte bancaire, mais on pourrait parler de l'accès aux services de base que sont la santé et l'éducation, dont. Énormément de personnes ne disposent pas encore aujourd'hui et dont énormément de personnes, trop de personnes en France, sont, sinon exclues, du moins fragilisées dans leur accès équitable. Dans ce manifeste vert, juste et féministe que propose Oxfam, euh, l'objectif est de financer euh, ces services et aides publiques à hauteur de 65 milliards d'euros par an. Par plusieurs options, Un, une taxation des plus riches, les 0,1% les plus riches de la population payent en France, évidemment dans le monde, mais particulièrement en France, moins d'impôts que 70% de la population active française. Et les super profits générés par les multinationales en temps de crise nous permettrait, pardon, au moins 10 milliards de recettes supplémentaires en France. Ce débat est actuel, mais il est intéressant parce que le, la question des ODD, plus on se rapproche de 2030, plus on voit qu'effectivement, autant on pouvait se dire qu'on allait pouvoir atteindre ces objectifs, autant quand il reste 8 ans, la situation devient un peu plus tendue. Donc l'action devient nécessairement beaucoup plus volontariste. Un des deuxièmes aspects, c'est la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale au niveau européen. Le manque à gagner est d'environ 80 milliards d'euros par an au budget de l'État. Il est évidemment celui de mettre en place, mais le débat a eu lieu par ailleurs, un ISF climatique et un impôt minimum sur les multinationales au niveau européen, à un niveau supérieur à celui qui a été mis en place pour l'instant et qui est un premier pas insuffisant et surtout qui sera peut-être contreproductif s'il reste à ce stade, mais un premier pas quand même intéressant. L'objectif est de financer les services publics comme la santé et l'éducation. Euh, cela permettrait aussi de construire euh, 80 000 à 100 000 nouveaux logements sociaux. On sait que la question du logement est une question euh, qui est au cœur de la résolution de la pauvreté. L'exclusion du logement et le fait de ne pas pouvoir habiter dans un logement digne est une trappe à pauvreté qui est extrêmement durable. Et donc cette analyse qui, que j'ai développée devant vous à l'échelle française reste valable de la même manière, d'une certaine façon, dans une démarche universelle, puisque, vous l'avez rappelé, la société est globalement plus riche que jamais, mais la moitié de l'humanité aujourd'hui est toujours considérée pauvre. Et 263 millions de personnes supplémentaires entre 2020 et 2022, vous l'avez dit Madame en parlant de la fracture de la courbe, euh, d'après Oxfam, ont sombré dans l'extrême pauvreté à cause euh, en particulier du Covid-19 et de son impact très différencié selon les pays et les filets de sécurité qui ont pu être mis en place. Ce n'est donc pas qu'une question d'argent, et je voudrais y revenir, c'est une question de volonté politique, mais aussi d'une approche multidimensionnelle de la pauvreté. Euh, la question de l'accès à l'éducation, à la santé, à l'électricité, à l'eau potable sont des questions absolument centrales et les progrès dont vous avez fait part et qui sont réels cachent des, de fortes disparités géographiques. Les deux tiers des enfants pauvres vivent aujourd'hui en Afrique subsaharienne et le taux d'extrême pauvreté y est proche de 40%. Donc si la proportion de personnes pauvres a baissé, il y a en réalité plus de personnes pauvres aujourd'hui dans cette région. Qu'en 1990, puisque le nombre d'habitants euh, a augmenté. Il faut donc avoir cette, euh, ce chiffre en tête. S'attaquer à ces causes systémiques, je le rappelle, ça n'est pas une fatalité. Et euh, même la multiplication de colloques ne euh, suffira pas à enrayer cette tendance si des décisions politiques ne sont pas prises. J'ai euh, entendu euh, euh, que la ministre maintenait la trajectoire euh, euh, d'augmentation de l'aide publique au développement. Il nous semble que, euh, avec la guerre en Ukraine, et euh, le Covid, cette question de la mobilisation de ressources supplémentaires pour l'aide publique au développement en France, et le débat se posera lors euh, du débat sur la loi de finances, reste posée. Nous sommes aussi très attentifs à la mobilisation de la société civile, et notamment la société civile féministe du Sud. Nous savons que les femmes sont plus victimes de la pauvreté, mais elles sont aussi une des clés de la réponse, et que l'appui qui est apporté aux organisations sur le terrain est euh, la clé la plus efficace pour mettre en place les politiques publiques qui permettent de s'attaquer aux racines de la pauvreté dans ces pays. Je sais qu'il fallait essayer de résumer beaucoup de choses très brièvement, mais il me semble que le message que je souhaite passer ici, c'est que l'essentiel, c'est de faire preuve de courage politique et de celui de prendre des mesures qui sont des mesures sans précédent en matière de financement. Et en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, qui est le plus sûr moyen de priver les pays les plus pauvres des ressources dont elles ont besoin et dont ils et elles ont besoin pour faire face à la pauvreté. Je vous remercie. Merci beaucoup, euh, Madame Duflot, pour votre appel à l'action résolu et plein de convictions. Et puisque c'est un, un espace aussi de discussion, on va vous proposer de poser deux questions à Madame Duflot sur cette thématique. Courte et précise pour que mon fils suive Taïmi. Oui, je vous en prie, madame. Oui, donc du coup, merci beaucoup. Et ma question étant, vous avez évoqué le courage politique, la décision. D'après vous, quelle est la première décision de courage politique qu'il faudrait mettre en place Alors, et ce n'est pas Oxfam qui le dit, hein, c'est désormais la Banque mondiale et le FMI. L'outil le, le plus efficace pour lutter contre la pauvreté, c'est de lutter contre les inégalités. Euh, C'est ce un débat qui a mûri. Hein. Quand je dis plus efficace, plus efficace que la croissance, pour dire les choses telles que ça a été publié et par la Banque mondiale récemment et par le FMI également. Et donc la question de la redistribution des ressources est une question majeure. Je parlais de la fraude fiscale et euh, de la capacité à ce que les pays, notamment les pays du Sud et la pleine possession de leurs moyens et de leurs ressources, c'est une question essentielle. Le deuxième sujet, là, d'extrême actualité, c'est que la situation s'est aggravée du fait de la pandémie, mais cette crise est particulière en ce qu'elle a fait basculer une partie de la population dans l'extrême pauvreté et que, dans le même temps, elle a permis à certains particuliers et à certaines entreprises de dégager des profits exceptionnels. Donc, le débat de euh, la... Fiscalisation et de la captation d'une partie de ces profits exceptionnels qui sont liés notamment à la mobilisation de la puissance publique au profit de la réduction de l'aggravation des inégalités causées par la pandémie me semble être une évidence. Mais je tiens à dire que ce débat existe dans à peu près tous les pays du monde aujourd'hui, qu'il commence à être tranché de façon positive par un certain nombre de pays. Si on veut prendre une seconde question, je suis désolée de, de voir. C'est très difficile, mais je vais finir ma phrase, néanmoins. Euh, mais j'ai noté avec satisfaction que cette question a été ouverte par euh, euh, Mme van der Leyen et, et j'espère que le débat va pouvoir mûrir en France. Ce sont des moyens disponibles immédiatement et dont on sait qu'on pourrait les utiliser là aussi, tout aussi immédiatement. Merci. Une seconde question euh, très bref avec une réponse très bref après. Ça, je fais comme je veux. <laughs> J'ai déjà tenu vos 7 minutes. Merci beaucoup. Non mais oui, c'est bon de la pauvreté mondiale en 7 minutes. Du coup, il n'y a pas y a de questions. Question. Ça, c'est une ah. méthode. De... Prie, oui. Petite question rapide, euh, par rapport au cadre qui est posé aujourd'hui des 0,7 de contribution à l'aide au développement dans l'OCDE, euh, on voit que c'est un cadre qui n'est déjà pas atteint aujourd'hui et donc vous appelez à encore plus d'ambition. Qu'est-ce que vous pensez euh, mettre comme mesure coercitive peut-être Est-ce qu'il en faudrait déjà pour pouvoir atteindre justement cet objectif alors ça, c'est toute la question des objectifs qui sont fixés collectivement et pas tenus. Euh, alors, je vais sortir de mon sujet, mais ça serait la même chose avec euh, euh, la question des accords de Paris et euh, des, de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Euh, je parlais de courage politique, là aussi, je parlerai d'honnêteté en fait. Et euh, Oxfam a eu l'occasion de saluer les efforts qui avaient été faits en France sur l'augmentation des moyens euh, accordés à l'aide publique au développement, mais ils sont pas encore suffisants. Et la question est elle aussi de la, la manière dont ils sont utilisés. La France est très en retard en matière de subventions et en matière de d'aide accordée, je parlais des organisations féministes avec une dimension genre qui est absolument clé face aux problèmes auxquels nous devons faire face. Donc la question est celle de la décision politique, mais le débat, nous sommes ici dans les locaux de l'Assemblée nationale, sera entre la main des parlementaires et ce sera très intéressant. Je le dis, la trajectoire n'était pas si mal avant la pandémie, mais la pandémie et la guerre obligent à réinterroger les financements de la France et évidemment d'autres pays en Europe. Merci beaucoup, Madame Duflot. Madame Duflot, vous évoquiez que les femmes sont une des clés de la réponse face à la pauvreté. Et donc, sans plus tarder, on va évoquer l'OTD 5 sur l'égalité entre les sexes avec la professeure Christine Nashberger, professeure à Audencia, école qui accueillera les troisième étapes des rencontres du développement durable le vendredi 14 octobre prochain sur le thème digitaliser et transiter. Vous avez la parole. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur Friang, chères intervenantes, chers public, tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité de témoigner aujourd'hui en fait la situation en ce qui concerne l'ODD numéro 5, l'égalité entre les sexes. Alors, chez des bonnes, mais aussi malheureusement des mauvaises nouvelles. Selon le rapport, sur les objectifs du développement durable 2022 des Nations Unies, le monde n'est pas en voie d'atteindre l'égalité entre les sexes d'ici à 2030. Et comme euh, l'avait souligné Madame Duflo juste auparavant, les répercussions sociales et économiques de la pandémie ont rendu la situation malheureusement encore plus sombre à titre exemplaire donc les progrès dans l'accès des femmes à des postes de direction tant dans des sphères politiques qu'économiques restent lents les femmes actives grimpent moins vite les échelons elles gagnent moins d'argent elles ont une pension moindre comparée aux hommes et elles sont aussi davantage exposées au sexisme et aux violences sexistes dans le monde du travail un autre report du Forum économique mondial, le Global Gender Gap Report de 2022, annonce qu'il nous faudra encore 132 ans pour atteindre l'égalité entre les sexes. 132 ans. Oui, vous avez bien entendu. Alors, ce n'est pas pour demain. Ce chiffre ne laisse personne indifférent. Le pessimiste, Chetra, je pense, tout de suite l'épanche me dira, ben, laisse tomber, on ne va jamais y arriver. L'optimiste réfléchira et peut-être commencera à en mettre en place des actions concrètes dans son paramètre d'action. L'égalité de genre est inscrite depuis très très longtemps dans les textes législatifs dans, le, dans beaucoup, de, dans, dans beaucoup de, euh, de pays du monde entier. Les organisations se mettent en mouvement ainsi les établissements d'enseignement supérieur dont je suis une représentante aujourd'hui. À titre exemplaire, j'aimerais citer l'initiative en fait aussi du négo-training de la chaire Impact Positif d'Odensia qu'on a mis en place depuis quelques années, qui montre l'importance de la confiance en termes de négociation salariale. Donc juste un petit rappel, le dispositif négo-training, c'est une formation gratuite de trois heures pour les femmes pour justement acquérir et approfondir la, la, la compétence de la négociation salariale. On a mené plusieurs études d'impact. Et selon l'étude d'impact de 2021, avant de participer au dispositif, dispositif négo-training, 23% seulement des femmes déclarent être confiantes pour euh, évaluer le salaire auquel elles pourraient prétendre. La bonne nouvelle, un an après la formation, ce chiffre grimpe à 71% des femmes qui se disent confiantes. Donc cette confiance se traduit par une demande de revalorisation salariale dans les établissements et dans les organisations. Pour conclure, selon les experts, toutes les générations ont un rôle important à jouer car nous sommes toutes et tous des acteurs de changement. L'égalité femmes-hommes reste un combat difficile, même si tout le monde en parle. Et des rapports, oui, il y en a beaucoup. Il y a urgence d'agir en faveur d'une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il reste du chemin à parcourir. Avançons ensemble pour un monde plus juste et plus égalitaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Et parce qu'il y a urgence d'agir, comme vous le dites, je donne dorénavant la parole à madame Sandra Uvera, directrice générale de Fairtrade International. Mrs. Ouvera, the floor is yours. Euh, madame la présidente de l'Assemblée nationale, monsieur, euh, monsieur le ministre, madame la secrétaire d'État, chers députés, cher Thomas, euh, merci pour l'invitation et quel honneur d'être ici ce matin pour l'ouverture de rencontre de développement durable euh, pour célébrer l'anniversaire de ODD et de pouvoir prendre la parole aux côtés de Oxfam France et de One France, deux organisations qui participent activement à la construction d'un avenir plus durable et plus... Juste pour tous et tout. That is the end of my French. <laughs> Allow me to now switch to English, which is my preferred language, but I do believe as often as I come to France, I will improve. And the next time I'll have uh, a better speech in French, but let me now just turn to English. So it's a pleasure to be here, and I am speaking on behalf of a global movement of 26 countries as a global CEO of fair trade, and it's, I, I would like to thank you, Thomas, for inviting us. So, Fair Trade is a 30 year old global movement working in close to 100 countries to change the way trade works. We want trade that is fairer for producers, workers, consumers, and planet. We want a global trade that is based on better prices, decent working conditions, a fair distribution of power and value on the protection of the planet we live in. The sustainable development goals won't be achieved if we do not change trade to ensure responsible consumption and production patterns. That is SDG 12. But fair trade can and aims to have impact beyond this specific area. A fair remuneration and the respect of workers' rights are human rights. And we believe that they can also be the cornerstones to reducing poverty and inequality to better gain access to health and education and improve food security and the nutrition for families and their families we have to focus on the promotion of sustainable agriculture and decent work for all but today my role is to speak about gender equality and i am a powerful advocate for women and gender inclusiveness uh, specifically under sdg 5 and i would like to highlight that uh, the, the, the central role that women Play in terms of in promoting fairness, sustainability, and an inclusive future. And in this case, I will take the example of women in agriculture. You may not know that women are responsible for half of the world's food production. In many cases, they are still today the primary caregivers to families and communities. And, they often, and they're often a link between the farm and the table. In Africa, where I come from, I come from Rwanda, we say, when you empower a woman, you empower a village, a nation, and a community. Yet, in most, and if not all, sectors of society, the gender gap in food and agriculture is very extensive. Women often do not have access to land. Less than 20% of landowners are women. Um, they, don't la they don't get access to finance through bank crediting or even training in financial inclusion. They have limited access to farm inputs and equipment and also to market information. They are often less paid uh, than their male counterparts. They are exposed to gender based violence and also work outside of the workplace. Although they play an important role in family and community and in food production, they are not represented or hired in decision making bodies and are often excluded from managing their own income in rural communities. Much of their labor remains unpaid and unrecognized. As consumers, they are more likely to be food insecure than men in most of the rural communities in the world. Agriculture is underperforming in many countries and it's not sustainable for a number of reasons. Many of these reasons actually have women at the center of them. I am sure everybody here can agree that rural women are resourceful, resilient, and innovative. In their own ways. They are powerful drivers for changing agriculture and food systems in almost every country in the world. They are powerful, um, they also have access to productive resources such as men, and if we were able to give them the, these resources, they could increase yields on their farms by 20 to 30 percent, and they could reduce the number of hungry people in the world uh, in, uh, by 12 to 17 percent. When women have the same access to their rights as men, um, and access, that in this case I mean access to resources, services, and opportunities, we know that they can become a driving force to eradicating hunger, malnutrition, poverty, and they can also promote the protection of the environment for the well being of their children. Despite a general consensus, on the benefits of addressing gender inequality for reaching the SDGs, and this is because it is the right thing to do, we're still far from the much needed improvements and the transformation that is needed. So, small steps that we're taking are not efficient. We need to be bolder um, in reaching the SDGs by tackling the climate crisis and the rise of inequalities within a transformative approach on gender equality. At Fair Trade, Alongside civil society organizations and trade unions and producer organizations across the world, we advocate for the need to go beyond women's participation in various activities and institutions to challenge the deeper gender norms and structures to rebalance unequal power distribution permanently and profoundly um, between persons of different genders. Fair trade can be a powerful tool. For gender equality, as it brings more economic opportunities for women, strengthens their participation in governance and trade, and also ensures their voices are heard within producer organizations. It also empowers them to stake a claim in negotiating prices and equity and succeeding in making decisions on their own terms. We strongly believe that there can be no gender equality without a fair global trade, and no trade will be fair without gender inclusion. But it is impossible to make this transformative approach to gender a reality by ourselves. We need you. We need everybody to realize that fair trade is everyone's business. And we have a saying that all that can be must be, meaning that everything that can be fair in a, in a product must be fair. My call to you, as policy makers, as leaders um, of, of, of the world, is that you apply the same philosophy. In every policy from the local to the international level, you must push for the inclusion of gender equality. It is relevant and will always remain so. I thank you all. Merci beaucoup, Madame Ouvera, pour ce partage d'expériences positifs et euh, ambitieux. Et donc, on va passer à deux questions. Donc, on va prendre les deux questions à la suite, et après, Madame Ouvera répondra. Et n'hésitez pas donc à vous approcher des micros pour poser vos questions. Et en anglais, ce serait parfait. <laughs> Merci beaucoup. Thank you very much for your speech. Was Very inspiring and, and very concrete. Um, I was wondering, in terms of concrete means, what would be the actions you would um, encourage one to 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 take part into in order to promote uh, women's empowerment? Because I, I really understand the line you're trying to set, but I was wondering, in terms of very concrete and direct actions, what would you um, inv invite one to do in their, policies make, in their policy making, for example? Okay, yes. I think it's very important that. In policy making processes, uh, we need to look at the reg regulatory process in various countries and ensure that some key actions are looked at from a trade perspective that are focusing on aspects like public procurement. Um, in many countries, we have seen public procurement uh, increase uh, their threshold to about 35 to 50 percent uh, for micro, small, and medium enterprises or small scale producers. Even within these parameters, it's important that we're decisive to say that we should include women in trade. So they can also have an opportunity to participate in these brackets. Um, it's also important um, in various countries like where I come from in Africa, um, to strengthen conclusive consultative processes of women in, in agriculture to participate in agricultural decision making, especially at a at a formulation stage. Um, in fair trade, we are strengthening our global advocacy agenda. To ensure that we have the voice of women um, participating in policy dialogues, in business-to-business uh, uh, -business, uh, participation, in government-to-business participation, in public-private engagement, and we would like to encourage that this is also taking place in other workplaces um, and environments. Yeah. Merci. Is there a second question? Même aussi, en français, je... Même aussi en français. Mais je peux répondre en anglais. Oui. <laughs> Thank, thank you for everything which you said. Um, as you said, women are very responsible. In many parts of the world, women are responsible for the inequalities, because they want their sons to be manly, and they want their women, uh, their daughters, to be feminine, so that they can get married how do you change this at the grassroots level because it is the women who decide mm -hmm. because they are the ones who will, as you say bring up the children so how do you change this because you've been working on this yes, right? yes yes i have that's a very very important and interesting question i cannot say there's a right answer to that but there are various methodologies that we have tried to put in place um, I actually sit on another platform that looks at women economic empowerment for financial inclusion. One of the biggest challenges there is that a lot of women work, get an income, and hand them over to their, to their husbands. Um, because ideally, the husband in many cultural societies, Africa, Latin America, and India, the husband is the breadwinner. Um, in many cases, when talking to them, we realize it's actually a traditional cultural issue not necessarily that even the husband expects it it's just a norm in society so one of the key interests that we need to carry out is raising awareness um, putting together schools education systems learning curves within the rural communities that sensitize both parties on the power of a woman and a man in driving a household um, this might sound like something that's about 10 years you know um, in, in the stone ages but it's actually prevalent today um, secondly, it's also important that even in the workplace, employers of women need to understand how they can actually help them, um, they can actually empower them to have the various, you know, most basic requirements like a bank account or a mobile money account for them to create their own income. They need to introduce a savings culture um, for these women so they can understand how they can even use their money within circles. And, and work within women communities to create learning facilities and the like. so the tools are there, but there's a lot of work that needs to be done by employers, um, entrepreneurs, to build those capacities, those technical capacities for women uh, in communities. yeah. merci beaucoup. Thank you. Donc pour conclure ce premier tableau, nous allons nous concentrer sur l'OTD 10, Inégalités réduites, avec la professeure Marilyn Meyer, professeure associée à Montpellier Business School et co-titulaire de la chaire MINE, Management inclusif et engagement sociétal. Je vous en prie. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie Thomas de son invitation. Donc, je suis là pour introduire le dixième objectif du développement durable, la réduction des inégalités entre les pays et à l'intérieur des pays. Donc, ce dixième ODD appelle les États à adapter leurs politiques et leurs législations pour accroître les revenus des 40% les plus pauvres, pour également réduire les inégalités salariales basées sur des critères discriminatoires. Pour favoriser également l'autonomisation des populations en vue de leur permettre d'intégrer la société. Alors, quel premier bilan pouvons-nous faire D'après le dernier rapport sur les inégalités mondiales, les 10% les plus riches de la planète captent 52% du revenu mondial, tandis que la moitié la plus pauvre ne gagne que 8%. Vous comprenez donc que les inégalités restent considérables, même si cette, ces inégalités ont eu tendance à s'affaiblir grâce au rattrapage économique de, des pays émergents. Toutefois, la crise du Covid a malheureusement ralenti cette tendance positive, ainsi que les crises actuelles que nous traversons. Et je rappelle également que le nombre de réfugiés et de migrants a malheureusement atteint un nombre record alarmant ces dernières années. Donc, par ailleurs, il faut savoir aussi que les inégalités ont tendance à se creuser à l'intérieur même des pays. Et pendant la crise du Covid, les plus riches ont eu tendance à s'enrichir, tandis que les plus pauvres se sont encore plus appauvris. Et les, plus, les populations les plus fragiles sont plus sensibles également euh, aux crises actuelles et aux changements climatiques. Donc, face à, à ce constat euh, très difficile à entendre, euh, la France a quelques bonnes nouvelles malgré tout à, à nous donner dans son suivi de l'objectif euh, 10 du développement durable, à travers quelques indicateurs que je vais vous partager, euh, notamment en concer concernant euh, la fracture numérique. Elle a tendance à se résorber en France doucement, mais de façon assez significative, même si 13 millions de Français ont encore des difficultés majeures à accéder aux nouvelles technologies. Nous pouvons également faire le constat que notre système de protection des droits humains et de redistribution des richesses continue à faire ses preuves, bien qu'il fonctionne difficilement encore dans certains territoires, notamment d'outre-mer. Et finalement, donc, un indicateur, malheureusement, et un objectif reste encore difficile à atteindre. Il concerne la lutte contre les discriminations. Nous en avons déjà parlé au travers des femmes, bien évidemment, donc je n'y reviendrai pas. Mais sachez que la lutte contre les discriminations est encore un combat important qu'il y a beaucoup de populations qui sont victimes d'inégalités de traitement, et c'est notamment le cas des populations LGBT dans le domaine de l'emploi et de l'accès aux biens et services. Donc, euh, finalement, quelle euh, leçon euh, tirer de, de cet état des lieux C'est ce sur quoi nous travaillons euh, à Montpellier Business School dans le cadre de la Share Mind, Management Inclusif et Engagement Sociétal. Euh, donc, comment euh, lutter contre ces phénomènes de discrimination et les inégalités réelles entre les personnes, puisque lutter contre les inégalités de revenus ne suffit pas Il faut pouvoir... Euh, Essayer de résorber les phénomènes de catégorisation sociale qui enferment les individus et de lutter contre la répartition inégale des, po des pouvoirs de décision et d'agir au sein de nos sociétés comme au sein des organisations. Donc, penser une société plus inclusive qui donne la même chance pour toutes et pour tous. Suppose, implique bien évidemment une responsabilisation individuelle, une transformation majeure des comportements à l'échelle de chacun d'entre nous. Merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur, pour ce bilan euh, édifiant. Et face à cela, euh, il y a toujours l'action euh, de la société civile. Et nous avons en ce sens le plaisir d'accueillir Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre et directrice de One France et présidente de France Terre d'Asile. Merci beaucoup. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, Ravi d'être là ce matin. Euh, merci à Marilyn d'avoir euh, peut-être fait une focale sur la France euh, dans la fin de son propos, ce qui va me permettre, moi... Euh, Fidèlement à ce que fait ONE, au fond, de me concentrer davantage sur la question internationale et, euh, et la situation à l'échelle mondiale. Alors, je sais que la salle est quand même pour beaucoup constituée de connaisseurs, donc euh, j'espère que mon propos euh, ne sera pas trop redondant pour vous, mais comme c'est retransmis, moi je pense que c'est important de partager avec le plus large public possible les données du problème. Euh, donc, en gros, de quoi on parle euh, Pendant plusieurs décennies, à l'échelle mondiale, on a connu une baisse globale de la pauvreté mondiale, notamment sous l'effet de l'ouverture des échanges, vous le savez. Mais en même temps que cette mondialisation entraînait une forme d'homogénéisation des conditions, des niveaux de vie, des élites et des classes moyennes à travers le monde, eh bien elle creusait un peu plus l'écart avec les laissés pour compte qui étaient de plus en plus nombreux. Et c'est à cette, euh, ce paradoxe de la mondialisation que l'ODD 10 dont on est en train de parler est venu essayer de répondre. Puisque globalement, ce qu'il disait, ce que les Nations Unies euh, disaient, c'est que la lutte contre les inégalités, ça n'est pas seulement un supplément d'âme d'une politique de développement centrée sur la croissance du PIB, c'est au contraire la raison d'être de cette politique de développement. C'est euh, sa condition de possibilité. Les sociétés les plus heureuses sont les sociétés les moins inégalitaires. De trop grandes inégalités portent préjudice à tout le monde, au bien-être collectif, et donc les efforts internationaux c'est ce que dit l'ODD 10, doivent converger vers la réduction des inégalités. Et il faut bien admettre que depuis 2015, quand cette ODD a été euh, énoncée, eh bien, la situation avait commencé à s'améliorer. Les revenus des plus pauvres ont commencé à augmenter plus rapidement que la moyenne nationale dans beaucoup de pays, même si, euh, dans d'autres régions, les inégalités persistaient. Mais on avait quand même une amélioration globale des conditions de vie, de l'accès à l'éducation, à l'alphabétisation des adultes, à la santé, etc. Et cette évolution était comme une démonstration que finalement notre monde peut-être se mettait à tourner un peu moins mal que par le passé. Vous aurez remarqué que depuis le début je m'exprime au passé parce que la vérité c'est que ce temps-là est révolu. Et c'est ça en fait notre message principal aujourd'hui parce que depuis toutes les crises qui ont secoué le monde depuis 2020, eh bien euh, le caractère dévastateur de chacune d'entre elles pour des milliards de personnes a complètement redessiné le tableau. La longue marche en avant de l'humanité vers l'amélioration de ses conditions de vie et la réduction des inégalités est désormais menacée. On a parlé du Covid-19, accélérateur d'inégalités sans précédent. Beaucoup de chiffres ont été euh, énoncés, je ne vais pas y revenir, notamment sur l'augmentation de l'extrême pauvreté à travers le monde euh, du fait de cette pandémie. Je voudrais juste en souligner un qui est peu connu et que nous, euh, qui nous édifie chez ONE. 10 millions et demi d'enfants sont devenus orphelins à cause du Covid-19. L'immense majorité de ces derniers sont en Afrique et en Asie du Sud-Est. Les vaccins, les vaccins contre le Covid-19, à peine 15 de la population des pays les moins avancés du monde en a bénéficié aujourd'hui. Et la vérité, c'est que toujours en Afrique ou euh, subsaharienne particulièrement ou en Asie du Sud-Est, eh bien, l'inégalité vaccinale est en train d'empêcher la reprise économique. On estime à 5 la perte de croissance en 2021 au sein des pays les moins avancés due au nationalisme vaccinal. Et vous savez qu'il se passe évidemment exactement la même chose autour de la variole du singe pour laquelle on n'a quasiment aucun vaccin dans ces pays alors qu'ils sont davantage touchés. Euh, la guerre en Ukraine, on en a parlé, je n'ai pas le temps de, de m'étendre dessus. Vous savez euh, les risques de famine à l'échelle mondiale. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce contexte de crise, eh bien, malheureusement les moyens consacrés à la lutte contre la pauvreté ont baissé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils ont baissé. Plus on gère les crises du moment et plus on apparaît comme impuissant à s'attaquer aux origines des problèmes auxquels on est confronté. On voulait donc en 2015 un monde moins inégalitaire, on est en train d'obtenir exactement l'inverse. Et je crois qu'il est vraiment temps de prendre conscience du grand bouleversement auquel on est en train d'assister, de la grande régression qu'on est en train de vivre et que toutes les données statistiques confirment. La semaine dernière, le PNUD a rendu public un rapport annuel sur le développement comme d'habitude où il apparaît que pour la première fois depuis 32 ans l'indice de développement humain vous savez santé éducation niveau de vie a reculé pendant deux années de suite dans plus de 90 des pays ça veut dire qu'on est retombé au niveau de 2016 dégradation généralisée des conditions de vie de l'humanité sur la planète deuxième exemple onusida cet été Signal d'alarme la lutte mondiale contre le SIDA ne fait que reculer depuis deux ans. On parle d'un décès dû au SIDA par minute en ce moment dans le monde. Qui en parle Il y a une euh, conférence de reconstitution du Fonds mondial qui a lieu le 19 septembre prochain. J'espère que tous les pays seront à la hauteur. Pour la première fois depuis les années 50, c'est euh, nos données hey one euh, l'espérance de vie mondiale à la naissance a reculé entre 2019 et 2021 de un an et demi, l'espérance de vie mondiale. Et je pourrais continuer comme ça longtemps, euh, mais je sais que je n'ai pas le temps, tant que je vais passer plus vite, je ne peux pas ne pas évoquer quand même les effets du réchauffement climatique et de toute cette crise qu'on est en train de vivre autour de nous, dont on a vu les effets très directement dans nos pays à nous. Juste cet été, au Kenya, en Somalie, en Éthiopie, une personne est morte toutes les 48 secondes du fait de la sécheresse. Voilà. L'urgence à agir, elle est là. Il faut vraiment sortir euh, la lutte contre les inégalités de la torpeur dans laquelle euh, on avait fini par la plonger euh, avec euh, les quelques années de lents progrès qu'on a connus et qui ont été complètement remis en cause, je l'ai dit. Alors, s'il me reste deux minutes peut-être pour en venir quand même aux propositions, parce que ça a été dit avant moi, les propositions, les solutions, on les connaît en fait. Il n'y a pas de secret, c'est très simple. Euh, la vérité, c'est que euh, d'abord, il faut agir. Il faut agir parce que, en fait, l'intolérance aux inégalités, elle va pas cesser d'augmenter. Parce qu'à la limite, en période de croissance, on peut se dire oui mais des inégalités, si ça me permet moi un jour d'accéder à mon tour, etc., et de monter les échelons. Mais en période de crise, comme je viens de la décrire, non, c'est juste intolérable de voir que des gens ne contribuent pas autant qu'ils devraient contribuer à la hauteur de leurs moyens à relever les défis qui nous attendent et à juste apporter un peu de bien-être collectif. Donc il faut agir. On a atteint les limites tolérables. Comment on agit On connaît, je disais, les leviers. On sait en particulier que, et eh bien, à l'échelle nationale comme à l'échelle mondiale, il faut agir contre le désarmement fiscal, car les inégalités augmentent à mesure que l'impôt recule. Cécile y est revenue, je ne vais pas y revenir. Et puis. Euh, voilà, je pense que vous avez toutes les données du problème. Les ultra-riches qui ne contribuent pas autant qu'il le faudrait alors qu'ils se sont surenrichis pendant la crise Covid, le, la, la prédation, le pillage des ressources des pays les plus pauvres qui font qu'avec l'évasion fiscale, chaque année, le continent africain perd 90 milliards de ressources qui devraient lui revenir en impôts, qui devraient lui servir à ouvrir et à développer des services publics d'éducation, de santé et autres ce qu'il ne fait pas, ce qu'il ne peut pas faire, parce qu'on a des paradis fiscaux qui sont évidemment l'enfer de tellement d'autres. Donc évidemment qu'il faut euh, euh, taxer, encore une fois, à juste mesure, tous ceux qui doivent l'être, qu'il faut lutter contre les flux financiers illicites, qu'il faut, de manière plus générale, admettre que structurellement, l'accumulation outrancière de richesses de certains individus ou de certains secteurs, en fait, n'est pas normale. Je suis désolée, mais comment supporter qu'en pleine crise, euh, Total enregistre le bénéfice que vous connaissez de 16 milliards de dollars en 2021 16 milliards de dollars. On a fait une étude, One, avec la Fondation Jean Jaurès, qu'on a publiée hier, dans laquelle on démontre qu'avec seulement 3,5% de ces bénéfices, les 16 milliards de dollars de, de Total, la France pourrait euh, eh bien, remplir toutes ses obligations à l'égard du Fonds mondial de lutte contre le suicida, la tuberculose et le paludisme Lesquelles obligations ont vocation à sauver 20 milliards de vies à travers le monde Ça n'en vaut pas un petit peu la peine Donc cette accumulation outrancière de richesses, elle vaut aussi dans un secteur particulier qui est le secteur financier. Explosion des transactions boursières mondiales. Leur montant a été multiplié par 300 en 40 ans. Il faut entendre ces chiffres. L'un des principaux bénéficiaires de la mondialisation, ce secteur financier, et pourtant des transactions que vous savez très spéculatives qui impactent la vie des citoyens. Parce qu'on a beaucoup parlé par exemple de la flambée des prix alimentaires qui amène jusqu'à la famine. Mais enfin, elle est quand même causée par une spéculation intense sur les marchés financiers des denrées alimentaires de base. Donc il y a. Je, évidemment, elle d'abord causée par la guerre en Ukraine, on se comprend bien, mais il y a aussi ce sujet-là. Donc, la question de la façon dont on euh, taxe ces transactions euh, financières, on a en France une taxe sur les transactions financières, dont euh, chez ONE, on plaide pour qu'elle soit, euh, disons, améliorée et solidifiée pour rapporter davantage d'argent et que cet argent aille vers la solidarité internationale, comme ça avait été pensé à l'époque où. Il faut rendre à César ce qui était à César. Le président Sarkozy avait créé cette taxe. On voudrait cette taxe aussi au niveau européen, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et enfin, pour finir, euh, la fiscalité, c'est une chose, mais c'est quand même l'essentiel. Il y a ensuite ce qu'on peut faire en termes de solidarité à l'égard des pays les plus pauvres. Euh, L'aide publique au développement, ça a été évoqué. Oui, la trajectoire vers les 0,7% en 2025. De grâce, les parlementaires, veillez-y lorsque vous serez dans l'examen du budget 2023, notamment éviter de mettre les crises en compétition. Bien sûr qu'il faut aider l'Ukraine, il faut le faire, nous le réclamons, mais il ne faut pas que ça soit fait au détriment des pays les plus pauvres du monde. Donc il faut augmenter évidemment euh, l'enveloppe totale de notre aide publique au développement, parce que sinon, très concrètement pour la France, ce serait près de 3 milliards d'euros qui, parce qu'ils iraient vers l'aide aux Ukrainiens, ce qui est très légitime et qu'il faut faire, seraient détournés de euh, l'aide aux pays les plus pauvres. Agir, c'est financer l'adaptation au changement climatique. Quand même, c'est un petit peu une honte que récemment, on ait eu un sommet qui se soit tenu en Europe sur cette question de l'adaptation de l'Afrique au changement climatique et que quasiment aucun dirigeant européen n'y soit allé. Les pays africains étaient là, mais pas les Européens. Et enfin, agir, c'est la santé. La pandémie du Covid-19, elle nous a normalement un peu édifiés. On a appris des choses sur la résilience nécessaire de nos systèmes de santé, sur le fait qu'il fallait un partage plus équitable des traitements ou des vaccins, sur le fait que les droits de propriété intellectuelle pouvaient peut-être être levés en cas de pandémie mondiale. Tout ça, il faut maintenant le construire à l'échelle internationale pour que ça vaille pour les prochaines pandémies. Et l'échelle internationale, elle n'a de sens que si elle est juste dans sa représentation. Le fait qu'à la table du G7 ou du G20, les pays les plus pauvres, et notamment les pays d'Afrique, soient absents est un problème. Il faut repenser notre gouvernance mondiale pour que chacun soit traité avec équité et avec dignité. Bref, un mot de conclusion. Ça ne sert à rien de vouloir mettre fin à l'extrême pauvreté à travers le monde ou à la pauvreté dans un pays comme le nôtre si on ne s'attaque pas aux inégalités qui sont à la base de cette pauvreté. Elle n'est pas venue par hasard, cette pauvreté. Alors ça réclame une concentration, une détermination sans faille, une force d'âme, un courage, mais je crois que c'est vraiment le, cette discipline collective qu'il faut que nous ayons et qui nous sortira de l'impasse et qui nous permettra enfin de construire le bien commun. Merci. Merci beaucoup, Madame Valéol Casem pour cette invitation à une prise de conscience résolue. Mais je, il nous reste je, que je rigole parce que j'ai un peu dépassé le temps, je suis vraiment navré. Euh... Il, oui. il nous reste deux minutes, donc on va prendre deux courtes questions et si vous voulez bien répondre par brièvement. Oui ou par non, voilà, presque. Merci beaucoup, Madame. <laughs> je vous en prie, Monsieur. Oui, bonjour. <coughs> Blesse Desbordes, Max Avelar France. Euh, merci pour votre intervention. On ne peut qu'être convaincu des grands outils macroéconomiques que vous évoquez, fiscalité mondiale, etc. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il nous manque à tous, collectivement, euh, la société civile, euh, un outil qui serait de pouvoir embarquer la population dans ce combat La population dans son quotidien, on appelle ça parfois l'éducation au développement. Mais juste pour vous illustrer mon propos et ma question. Euh, Aujourd'hui, en France, 95% du chocolat que nous consommons, nous tous, que vous achetez pour vos enfants, que vous offrez à Noël, 95% déclenche de la pauvreté directement. Vous l'achetez quelques heures après ou quelques heures avant, parce que ça passe par le trading, la pauvreté est déclenchée, la déforestation est déclenchée. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un outil, je dirais, démocratique, un outil assez universel du quotidien qu'on pourrait ensemble construire, un pacte pour, pour quelque chose comme ça qui embarque véritablement les populations des pays Merci beaucoup et on va prendre directement la seconde question pour ne pas manquer d'efficacité. Merci beaucoup, Madame Valobel-Kassen. Euh, J'ai beaucoup aimé, effectivement, dans votre intervention, cette distinction entre la trajectoire où on était avant la crise du, du Covid et puis ce qui s'est ap passé après. Je, je précise que je suis vice-président du SDSN. Je travaille étroitement avec le professeur Jeffrey Sachs, qui interviendra, interviendra plus tard. Et du coup, on a lancé hier, nous aussi, un, un rapport avec la commission du Lancet qui appelle justement, effectivement, un renforcement du multilatéralisme euh, pour, euh, finalement, euh, euh, garder un peu cet agenda en vie euh, finalement dans le contexte actuel et, et pallier effectivement aux inégalités, etc. Ma question est la suivante. On a plusieurs sommets internationaux qui vont euh, arriver. La, la, la semaine prochaine, il y aura l'Assemblée générale. Je pense que beaucoup ici seront à New York la semaine prochaine. Il y a la COP euh, en novembre. Et puis en, en, en bout du bout, on aura un sommet effectivement des chefs d'État sur les ODD. Euh, la dernière fois qu'il y a eu ce, ce sommet de chefs d'État sur les ODD, c'était en 2019. On, euh, je pense qu'on est tous d'accord que le monde a un peu changé entre-temps. Si je comprends bien un peu les, les différentes interventions aujourd'hui, est-ce que finalement le message principal euh, qui émerge, c'est de dire que pour faire de ce sommet finalement un, un, un succès, en termes d'annonces lors de ce sommet, ça prendrait finalement un plan de financement global qui intégrerait effectivement de la question de la taxation, la question de l'accès au crédit pour les pays pauvres, la question de l'aide au développement, le rôle du FMI, un plan de financement global pour euh, relancer, finalement, euh, restaurer, accélérer les progrès sur les DDD, une sorte finalement d'Addis Abeba finalement euh, révisée euh, qui émergerait en 2023. Voilà. Merci beaucoup. Euh, je vais mêler les deux questions parce que, en fait, euh, je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport euh, Goalkeepers de la Fondation Gate qui, euh, qui a dû sortir hier, je crois, dans lequel euh, il apparaît qu'en fait, on ne va pas du tout les atteindre euh, comme on est parti, les ODD hein, à horizon 2030. Euh, et euh, notamment pour euh, l'ODD euh, égalité des genres, puisqu'il en a été question tout à l'heure, euh, il est plutôt question de l'année euh, <laughs> 2103. Euh, pour espérer l'atteindre. Donc, c'est clair, pour répondre au premier intervenant, qu'on a un vrai sujet de mobilisation sur la question des ODD. Franchement, c'était une démarche absolument magnifique d'ambition en 2015. Moi, j'ai été toujours très frappée quand j'ai voyagé à travers le monde de voir à quel point dans les populations les plus pauvres, euh, eh bien, euh, la population s'approprier cette dynamique des ODD. Ils connaissent, vous parlez d'ODD, ils, ils savent très bien l'agenda 2030, etc. Alors que dans les pays développés, en France, ça parle à personne. Donc, on a un sujet de mobilisation de nos opinions publiques. Euh, et je pense que, en fait, on parle souvent de. Quand, quand on dit éducation, on pense souvent aux enfants, par exemple, l'éducation au développement durable. Moi qui ai été ministre de l'éducation, bon ben bah, voilà, euh, la question c'est qu'est-ce qu'on met dans les programmes scolaires pour que les enfants soient édifiés sur ces sujets-là. Je voudrais vous dire une chose avec cette expérience, justement, de ministre, c'est que, en fait, euh, les plus à plaindre du point de vue de l'accès à l'éducation et à l'information, ce ne sont pas les enfants. En fait, dans les écoles, franchement, parfois, j'aimerais bien que les adultes y soient dans les écoles pour se rendre compte à quel point on a évolué sur ces questions-là, qu'il y a une vraie éducation au développement durable, à l'égalité filles-garçons, etc., contrairement à ce qu'on croit. Les plus à plaindre, les plus en manque, c'est les adultes. Et donc, en fait, la question, c'est euh, quel cercle, quel lieu on peut inventer pour que cette éducation, au développement, en l'occurrence, soit fournie aux adultes chez nous. Et en fait, je pense que, bon, on pourra inventer des choses, mais je pense qu'il n'y a quand même pas mieux que les médias a priori pour servir de canal euh, et édifier euh, les opinions publiques sur ce sujet et, euh, et moi j'aimerais euh, j'aimerais beaucoup que de la même façon qu'en ce moment il y a une charte déontologique qui a été adoptée euh, par un certain nombre de médias sur la façon dont on parle du climat etc que on puisse entraîner les médias dans une démarche sur cette question euh, bah, de l'état du monde des inégalités euh, des ODD tout simplement il y a quelque chose à imaginer euh, là-dessus parce que c'est vrai que quand vous allumez votre télé et que pour l'essentiel du temps, vous entendez encore un discours qui consiste à vous dire Mais les inégalités ont du bon parce que, nanana, etc. Euh, euh, voilà, ruissellement et compagnie. Vous vous dites Il y a un petit sujet d'entendre une autre parole que tous les rapports qu'on a évoqués viennent éclairer. Mais euh, il faut peut-être euh, organiser la conversation avec certains médias pour euh, voilà, participer à cette édification-là. Et puis, euh, le deuxième sujet, monsieur, je suis, euh, suis d'accord avec vous. Je pense qu'en en fait, ce qui manque à l'échelle internationale... Euh, et c'est vrai que chez One, on le voit bien parce que nos sujets, c'est l'extrême pauvreté, c'est la lutte contre les maladies évitables. Et on est amené à travailler aussi sur les questions d'égalité des genres, sur les questions d'éducation. Et en fait... Ce qui est pénible, c'est de voir à quel point ces sujets deviennent silotés, alors qu'ils n'ont pas de raison de l'être en fait. On parle juste du bien-être collectif. Et donc, à l'échelle mondiale et multilatérale, je pense que la vraie progression, ce serait d'avoir une réunion des principaux décideurs, parties prenantes, contributeurs financiers, dans laquelle on décide d'allouer des moyens à chacun de ces sujets de façon cohérente, ensemble, dans un même paquet. Donc je rejoins, j'imagine que c'est ce que Jeffrey se développera tout à l'heure, mais je vous invite à écouter parce que ce serait vraiment un progrès. Voilà, et là j'ai un froncement de sourcils, donc je vous... merci. Merci. <laughs> Désolée. Au nom de l'Institut Open Diplomatie et de tous nos partenaires, je vous remercie toutes les intervenantes pour leur prise de parole de grande qualité et inspirante. Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi, déclarait Gandhi. Comment adhérer à un projet aux, mul aux multiples aspects qui nous dépassent sans y être étroitement associés Ce qu'évoquait Madame Valo-Belkacem. Pour entreprendre une transition véritablement juste, Chacun doit participer à son élaboration, à la construction des politiques publiques. Particulièrement les publics concernés, les jeunes, les femmes et les personnes précaires notamment. C'est pourquoi le Youth Seven appelle de ses vœux dans la continuité des actions de démocratie active existantes, le renforcement des processus délibératifs avec la mise en place d'un devoir de réponse, engageant les responsables politiques du niveau local au niveau national à donner une réponse publique et détaillée à toute proposition citoyenne issue d'une démarche consultative ou délibérative. Parce que façonner les solutions tous ensemble pour agir efficacement, là, est le défi d'un développement durable réussi. Sans plus tarder, nous allons pouvoir passer donc au second tableau. Merci encore à, à toutes et tous.